Salut à tous mes abonnés, salut à tous ceux qui ne se sont pas abonnés à ma chaîne. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un puissant miel d'amour, un puissant miel d'attirance dans tous ceux que vous aimerez avoir dans votre vie. En fait, vous serez aimé par plusieurs personnes. Avec cette astuce, vous seriez vraiment, vous auriez de l'attirance. Oui, vous serez sollicité un peu de partout. Vous comprenez? Grâce à cette astuce que je suis sur le point de vous présenter. Et cette astuce se fait à base du miel pur. J'insiste bien, du miel pur, parce qu'il ne faut pas avoir un miel mélangé. Il y a des miels qu'on vend avec des mélanges, soit on mélange avec la banane, mais il faudra le miel pur pour que le travail puisse marcher. Oui, il faudra du maïs, c'est ça, tout le monde connaît. Que ce soit du maïs rouge, que ce soit du maïs blanc, que ce soit du maïs de n'importe quelle couleur, il faudra que ça soit, vous ayez le maïs, oui. Et après ça, vous deviez avoir une feuille blanche, comme vous voyez là. Une feuille tout blanche. Un plastique, comme celui-ci, ça va vous aider à conserver votre mélange. Vous comprenez? Ok, vous allez composer le mélange comme suite. Vous allez prendre votre plastique que vous voyez là, vous allez ouvrir, vous ouvrez. Donc vous cherchez un plastique comme ceci, vous ouvrez, vous prenez votre miel, j'ai bien dit le miel pur. Vous mettez à l'intérieur une quantité, une petite quantité, la quantité que vous voulez du miel, vous mettez à l'intérieur. Après l'avoir fait, vous allez prendre 9 grains de maïs. J'ai bien dit 9, vous comptez 1, 2, 3 jusqu'à 9 grains de maïs. Vous introduisez à l'intérieur du miel dans votre plastique, et pour tout finir, vous allez prendre la feuille blanche ici. La feuille doit être blanche. Vous coupez une partie sur cette feuille blanche. Vous écrivez votre nom, votre prénom, comme c'est dans l'acte de naissance. Le nom qu'on vous a donné quand on vous a accouché, pas le nom, si vous avez modifié le nom. Vous faites avec le nom modifié, non, ça ne va pas marcher. Faites avec le nom que vos parents vous ont donné dès que vous êtes sorti du ventre. Là, l'astuce va marcher. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est un peu ça. Vous écrivez, vous coupez une partie de ce papier, vous écrivez votre nom, votre prénom, et vous faites vos vœux. Avant de faire vos vœux, s'il vous plaît, vous prenez ce papier, vous introduisez dans le mélange. C'est pour dire dans le miel et les 9 grains de maïs que vous avez mis dans votre plastique. Vous introduisez le nom que vous avez écrit à l'intérieur. Vous arrêtez votre plastique. Amen. Vous faites vos vœux, vous faites vos prières. Un exemple de vœux que je peux donner, vous pouvez dire miel associé au maïs, j'aimerais que toutes mes chances me reviennent, que toute attirance soit avec moi, que les gens me voient positivement, que j'ai des portes qui s'ouvrent en amour, en affaires, que vraiment je sois sollicité partout. C'est un exemple de vœux
que je vous donne. Et vous faites vos prières. Chacun peut faire ses vœux comme il le souhaite et comme il l'entend. Après avoir fait ça, vous fermez votre plastique. Vous cherchez un coin chez vous, vous déposez. Ça fait 3 jours. Après 3 jours, vous allez prendre, vous allez commencer à consommer. Et pour consommer, ça avait ce doigt-ci là. Ça avait le doigt-ci, regardez bien. Ça avait le doigt-ci que vous allez prendre chaque fois pour lécher ou manger, pour lécher. Vous allez tourner en faisant vos vœux toujours. Vous allez prendre avec le doigt-ci 3 fois. Vous prenez une fois, vous mettez dans la bouche. Vous prenez 2 fois, vous mettez dans la bouche. Vous prenez 3 fois, vous mettez dans la bouche. Et vous avalez. C'est comme ça. Juste à ce que le mélange finit. Sur le mélange fini, je ne vous ai pas dit de manger le maïs. Vous pouvez jeter le maïs qui reste à l'intérieur quand le mélange va finir. Vous comprenez? Le papier doit être là à l'intérieur. Même si ça s'émiette, ça ne dérange pas. Vous pouvez lécher avec ça. Ça ne dérange pas. C'est pour ça que vous avez dit, vous coupez une partie du papier tout blanc. Vous écrivez votre nom, ça. Vous mettez à l'intérieur. Vous comprenez? Donc, pour ceux qui ne se sont pas abonnés à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne. Si ça finit, vous pouvez refaire l'astuce sans problème. Et utilisez toujours ce doigt-ci. Si vous utilisez un autre doigt, l'astuce ne va plus marcher. Vous pouvez lécher à n'importe quelle heure que vous voulez. Oui, ça finit, vous pouvez refaire.